La guitare.com qui aujourd'hui vous fait découvrir le travail de Joris, qui est luthier, luthier en Camalengoni. Voilà, ce nom qui claque dans la bouche. Il a des idées. Hein. Ça mouline dans la tête de Joris, ça mouline dans ta tête. Hein. Là, on peut le dire parce qu'il a adapté, inventé un instrument. En fait, il a pris la map monde. Le Camalengoni, c'est au Mali. Et puis, il a regardé où était la France. Alors, il a tiré un trait comme ça, il a fait... Puis il s'est pas arrêté en France, il est allé directement en Irlande, tu vois ce que je veux dire. Et puis à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il y avait une espèce d'arc de cercle de 33 degrés 5 d'ouverture, comme ça, et que ça passait pile après par la Charente-Maritime où il a ses ateliers que vous pouvez aller visiter. Pourquoi l'Irlande et pourquoi le Mali? Parce qu'en fait, voici un Camalengoni banjo avec un cor irlandais. Et oui, un cor irlandais, puisque c'est un bodhrán. Il fallait y penser, il y a pensé. Ah oui, il fallait y penser. Donc ça fait, accessoirement, ça fait un... Un Camalengoni très pratique à transporter, mais c'est aussi pour le coût que tu. C'est un instrument à moindre coût que tu proposes. Voilà, c'est ça. Ouais. L'idée de ce projet, c'était comment arriver à proposer un instrument d'étude qui coûte moins cher, quoi. Les calebasses, ça coûte. De découverte. Voilà, pour se lancer dans le Camalengoni. Puis en même temps, moi, j'ai la curiosité de chercher un peu d'autres avec le principe du goni. Voilà, de voir tiens comment ça donne sur un. Quelque chose qui est ouvert, par exemple. Fondamentalement, le son n'est plus le même que sur la calebasse. Carrément, voilà. Ou là, je suis dans d'autres calebasses. Je suis en train d'essayer sur d'autres calebasses pour voir aussi ce que ça donne. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien l'idée que ça bouge, quoi. Donc, quelqu'un qui est attiré, mais qui ne veut pas de suite partir sur un gros instrument. Voilà, investir de façon professionnelle directement. Mais ouais. Mon premier prix, c'est. Voilà. C'est l'instrument avec le corps de calebasse. On a cet instrument-là. Et qui, en plus, c'est là la surprise, a un son plutôt sympa et plutôt. Plutôt attractif, quoi. C'est un grain métal. C'est sec. Ouais, ça fait un son en fait qui a plus de pêche. Il a presque plus de volume sonore parce que. C'est ouvert. Voilà, il crache. Mais après, il n'a pas la rondeur de l'instrument ou la douceur, quoi. C'est un son qui est plus drôle. La pêche en plus, le moelleux en un peu moins, mais surtout la possibilité de découvrir. Le Camalengoni et le jeu du Camalengoni, c'est de s'éclater voilà, avec. Tout le potentiel de l'instrument est là. Et ben, moi, ce que je propose, c'est qu'on va écouter tout le potentiel de Joris, ses doigts de fée, sur le Camalengoni banjo, le banjo goni. Tu l'appelais comme goni ça banjo, le goni banjo, c'est pareil, c'est le banjo goni, mais c'est à l'envers, c'est comme ça. Et c'est maintenant, j'arrête de. Et on. Thank you.